m'appelle Le Gros Éric, je proviens de Saint-Hubert. Donc je suis artisan couvreur, je fais des toitures, donc indépendant. Et je me suis donc tourné vers la dinanderie dans l'idée, l'objectif de refaire des coques et des joints d'église. Et en allant au cours à Dinan, ben, j'ai découvert qu'on pouvait façonner le zinc, le cuivre et le laiton de différentes manières. Le métier provient de Dinan proprement dit, donc, parce que dans le temps, les matières premières arrivaient le long de la Meuse. Et alors d'un côté de la Meuse, il y avait les chaudronniers, donc ceux qui faisaient les marmites en cuivre, les casseroles, etc. Et puis à un moment donné, il y a un évêque qui a demandé pour faire des décorations donc, d'église. Et il y a une partie de dinandiers qui se sont spécialisés vraiment dans ce qui est côté décoration. Je chauffe la tôle de cuivre pour dilater les molécules. Parce que le cuivre, plus on tape dessus, plus on serre les molécules. Alors, à un moment donné, il devient cassant. Et le fait de chauffer en rouge cerise comme ça, donc on dilate les molécules et on va le refroidir à l'eau. Voilà, donc là il est refroidi d'un coup. Et là, je le repasse dans l'acide, 2 secondes, pour renettoyer la feuille de cuivre. Mais j'ai déjà fait les études de mécanicien, donc j'adorais déjà tout ce qui était métal. Et en fait, là, j'ai eu la chance de travailler donc comme ardoisier pour le patrimoine, où là j'ai fait des belles réalisations en ardoise. Et là j'ai vu des superbes épis, des superbes coques. Et voilà, et je me dis, ben, je vais essayer. Et je n'ai plus lâché, non, du tout. Ben, j'ai vraiment envie de pouvoir vraiment, me perfectionner vraiment dans cette voie-là. Aussi bien aux décorations intérieures que pour des décorations de toiture. Comme je me dis, je ne vais pas en rajeunissant, donc j'ai plus facile d'aller dans mon atelier que d'aller sur les toits. La pièce comme l'écusson d'Orval, j'ai à peu près 100 heures de travail autour. Les champignons, j'ai à peu près 50-60 heures de travail autour. Parce que c'est souvent quand même des opérations très répétitives. Donc de devoir rechauffer, refroidir, renettoyer. Et ici, on travaille comme ça pour garder la même épaisseur de matière tout le long. Pour le dinandier, il y a le marteau de ciselage. Donc c'est un marteau qui est assez gros, justement, comme on ne regarde pas où on tape, comme ça on est toujours sûr de taper sur le ciselet. Donc il y a les ciselets. Dans les ciselets, il y a les ciselets de traçage. Et puis après, il y a les ciselets ici, qui eux sont pour former. Et alors, on a aussi des ciselets en bois, en buis. On utilise le buis parce que c'est un bois qui est très très dur et qui ne fait pas de coups dans la tôle. Et alors les outils, ben, on ne sait pas les trouver dans le commerce. Ici, on trouve un peu les outils de base chez les marchands de bijoutiers pour la bijouterie, mais autrement, en principe, on fabrique soi-même ces ciselets. Pour avoir les nuances des patines, c'est toujours avec des essais. Donc, pour le rouge, ça s'est fait avec du borax. La bleue ici, ça je l'ai fait avec un mélange avec de l'alcool et du pigment de Prusse. Et au fait, donc je chauffe ma tôle et je prends mon pinceau que j'ai trempé dans l'alcool, je le frotte et puis je rechauffe. Et je fais plusieurs essais jusqu'à obtenir vraiment ce que je désire. Le plaisir de travailler la matière et de donner vie à ce qu'on a imaginé. Donc,
Ce que je veux dire au niveau création, on est vraiment libre, donc les gens peuvent venir avec leurs projets, avec leurs idées, et là on peut vraiment voir la faisabilité du projet qu'ils ont. Ben ici j'ai un client qui vient de venir de Gand, qui fait partie d'une confrérie, et alors il a une petite médaille qui ressemble à une tête de méduse. Et il voudrait bien arriver à en refaire parce qu'il ne retrouve personne pour les faire. Mais c'est pour justement montrer à ces gens-là qu'il y a encore des gens comme nous, des personnes comme nous qui peuvent réaliser leur objet.